Je voudrais vous transmettre également les salutations du chef de l'État, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et du Premier ministre Ousmane Sonko, qui accorde une importance toute particulière à la région de Ziguinchor, qui se traduit aujourd'hui par la dotation de 35 moulins à mil électriques et thermiques et de 2 ambulances médicalisées. Le chef de l'État, dans sa volonté d'améliorer sensiblement les conditions de vie des populations sénégalaises, a mis en place un projet de transformation systémique allant dans le sens de corriger les disparités et de promouvoir le développement économique et social du Sénégal. Ces équipements vont sans doute alléger les conditions d'existence des femmes en favorisant leur autonomisation et l'accès des ménages à des activités génératrices de revenus. De même, les 2 ambulances remises présentement viennent s'ajouter au bateau ambulance affecté et livré à Elenkin par le Puma et 10 autres ambulances et vont faciliter les évacuations sanitaires par le relèvement du plateau médical. Mesdames, Messieurs, notre ministère, institué par le chef de l'État, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'évertue à travers le développement d'infrastructures socio-économiques de base et de sécurité à fournir une réponse concrète aux aspirations des populations frontalières se trouvant particulièrement dans des zones défavorisées et enclavées. D'où le sens des nombreux investissements du Puma dans la région de Ziguinchor, portant sur plusieurs secteurs que sont l'éducation, la santé, l'électrification, la jeunesse, la promotion d'activités économiques, le désenclavement, la sécurité terrestre, l'appui à la réinstallation des populations déplacées et la lutte contre l'apatridie. Ces investissements seront renforcés conformément aux instructions du chef de l'État, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de son Premier ministre Ousmane Sonko pour promouvoir le développement économique intégré de la région naturelle de la Casamance.